soit ABC, un triangle dont le centre du cercle circonscrit s'appelle O et le centre du cercle inscrit s'appelle I. Soit gamma, le cercle ex-inscrit au triangle ABC qui coupe le côté BC en L. La droite AB coupe gamma en M et la droite AC coupe gamma en N. Supposons que le milieu du segment MN, le point D, appartient au cercle circonscrit au triangle ABC. Prouvez alors que les points O, I, L sont alignés. Regardez ce qui se passe si je m'amuse à déplacer un tout petit peu, par exemple, le point A. Je le déplace, je le déplace, et comme le point D se trouve sur le cercle, les points O, I, L semblent toujours alignés. Si je déplace un autre point, disons B, sur le cercle. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà. Regardez ici, dans cette configuration, le point D n'est plus sur le cercle rouge et les points O et L ne sont pas alignés. C'est une liaison donc très très forte entre l'alignement des points O et L et le fait que D se trouve sur le cercle rouge. Amusons-nous encore un peu avec cette conjecture et grâce à la merveilleuse application et logiciel GeoGebra. Regardez. Le point D n'est pas sur le cercle rouge. Les points O et L ne sont pas alignés. Récapitulons. Le triangle ABC, ici, en rouge. Le cercle circonscrit à ce triangle, de centre O. Le point I, qui est le centre du cercle inscrit, c'est-à-dire il se trouve à l'intersection des trois bisectrices. Et puis le cercle ex-inscrit, tangent au côté BC. Qu'est-ce que ça veut dire? Où se trouve ce centre? Vous pouvez démontrer facilement qu'il se trouve à l'intersection de la bisectrice de l'angle BCM et CBM. Le cercle qui touche BC, qui touche AB et qui touche AC. Au point MLN. Et supposons que D, le milieu de MN, se trouve sur le cercle rouge. Alors, prouvons que I, O, L sont alignés. Comment on peut trouver tout cela? Utilisez le fait que I se trouve à l'intersection des trois bisectrices, que O est à égale distance de A, B et C, parce que c'est le centre du cercle rouge. O', c'est le centre du cercle ex-inscrit. Donc, O'M égale O'L égale O'N. D est le milieu de MN. Je relie O' avec M. O' avec N. Bien sûr, ces deux rayons sont égaux. D est le milieu de MN. Conclusion, O'D perpendiculaire à MN, d'après une propriété archi connue. Bien sûr, vous allez prouver que O' est à égale distance et de AC et de AB.
distances sont O'n et O'm. Conclusion, O' se trouve sur la bisectrice de l'angle BAC. Et bien sûr, cette bisectrice passe par I. Et bien sûr, comme O'm égale O'n, ces deux triangles AM' et AN' sont symétriques et égaux par rapport à A'. Ces deux angles sont égaux, ces deux côtés sont égaux, les angles droits. Donc AM égale AN. Conclusion, on trouve aussi de l'autre côté perpendiculaire A et D perpendiculaire à MN. Vous avez compris que je viens de démontrer que AI, DO' sont alignés sur la bisectrice de l'angle BAC. Et maintenant, comment avancer pour trouver que les points IOL sont alignés?